Là où les gens t'ont oublié, là où les gens t'ont déposé, là où les gens disaient, toi tu ne peux pas devenir quelqu'un, l'Éternel se souviendra de ce que tu as. Il y a un Dieu qui peut te prendre aussi pour toi, pour aller te positionner auprès d'un président. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut te donner la sagesse qu'il a donnée à Joseph. Et que ça soit pas ce qui est la révélation. Que toutes les nations soient bouleversées. L'Éternel est capable de faire ça. Alléluia. Il est celui-là qui te protégera lorsque tes ennemis vont se réveiller. Il est celui-là lorsqu'ils vont manifester le coup pour pouvoir atteindre ta vie. Il est celui-là qui va te révéler. En plus de te révéler, il va te faire briser les chaînes. Il va stopper ce tour. Il va confondre tes ennemis. Alléluia. Regarde, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, les humains avaient une union. Ils étaient unis. Les humains, ils étaient unis. Mais leur union, c'était une union qui n'était pas saine. Ils avaient pour ambition d'aller trouver Dieu. Je peux même aller loin pour dire d'aller déloger Dieu. Alléluia. Et ils sont arrivés. Ils sont presque arrivés à leur projet. L'Éternel est sorti. Il était étonné. Il dit, mais ceux-là, si je ne les arrête pas, ils vont attendre plus. Je vais dire à quelqu'un, de la manière dont je sais qu'on laisse bosser, toi essaie de penser dans l'union pour pouvoir atteindre des choses meilleures. Alléluia. Pourquoi faire des choses meilleures? Soyons unis, alléluia. Pour pouvoir aller de nation en nation, soyons unis, alléluia. Pour pouvoir marcher dans la gloire de Dieu, pour pouvoir marcher dans la puissance de Dieu, soyons unis. Lorsqu'on est unis, l'ennemi ne peut pas voir sa main sur nos vies. Rabaché par la maman Kayanda. Je suis un peu plus de temps.
l'Éternel m'envoie ce matin, dit à Dieu, même si tu n'as pas de l'espoir, ne regarde pas tes problèmes, mais regarde-lui la solution. Regarde, quand tu regardes la solution, le problème devient petit. Quand tu regardes la solution qui est Jésus, ton problème vraiment devient petit. Quand j'étais jeune, j'avais une nourriture qu'on appelle par la papa. C'est bien gros, mais quand tu mets dans ta bouche, ça fond. C'est comme ça l'Éternel avalera tes problèmes. C'est comme ça l'Éternel avalera tes soucis. C'est comme ça l'Éternel changera ta destinée. Je vais amener quelqu'un à s'asseoir. Dis Gethsémané. Dis Gethsémané. Gethsémané, c'est le thème que nous sommes en train de traiter depuis pratiquement un mois. Alléluia. Quand l'Éternel donne une révélation à son serviteur, c'est parce qu'il veut faire du bien à son peuple. La Bible dit, lui, où tu la tête d'Aaron descend sa main et mouille ses vêtements. Alléluia. La révélation que le Père a eue va nous impacter. Alléluia. Et Gethsémané, c'est le lieu de pressoir. C'est le lieu de pressoir. C'est le lieu de difficulté. C'est le lieu là où tu n'as pas quelqu'un, où tu n'as pas de soutien, où tu es seul. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que c'est lorsque tu as des problèmes que tu vois tes bons amis s'approcher de toi. Lorsque tu as des problèmes là, le problème peut faire que tu sauras qui est avec toi, mais qui n'est pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime dans les difficultés voir mes vrais amis. C'est comme ça que je les teste. Quand je vois ta promptitude, quand je vois ton cœur, quand je vois ta présence dans les problèmes, je dis tu es avec moi. Et je m'engage en fond dans notre relation. Alléluia. Donc, Gethsémané, Jésus-Christ a fait des miracles à Jérusalem. Dans le monde, il a guéri des malades. Il a ressuscité des vies. Mais l'autre phase de la pression, où Jésus-Christ savait qu'il allait tuer, il était sûr. Alléluia. Dans les temps de difficulté, Jésus-Christ était seul. Dans les temps de disette, Jésus-Christ était seul. Il était face à sa situation. Arrivé au moment de Gethsémané, sa chair a voulu parler. Sa chair a voulu s'opposer à la volonté de Dieu. Bien aimé, arrivé au moment de ta vie, ta chair s'oppose à la volonté de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un, la volonté de Dieu ne vient pas pour te tuer. Mais la volonté de Dieu, vient pour te rendre meilleur. La volonté de Dieu vient pour pouvoir te rendre fort face aux difficultés, face aux problèmes. Et Jésus-Christ a permis à ce que sa chair meure. Et il a laissé son esprit. Alléluia. Bien aimé, Gethsémané est le lieu de pressoir où la volonté de Dieu, notre Créateur, est révélée. Alléluia. Cette volonté peut te sembler dure, mais c'est la seule solution qui te fera rentrer dans ta gloire. Alléluia. Gethsémané, c'est le lieu où tes ennemis sont au courant de ta position. C'est le lieu où tes ennemis s'élèvent pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans ta destinée. La Bible dit Judas allait vendre Jésus. Judas allait, comme ça, livrer Jésus. Lorsqu'il a pris les biens, lorsqu'il a pris ce qui lui était dû, il savait où Jésus était. Alléluia. Il a traîné avec lui les ennemis de Jésus pour aller prendre Jésus. À Gethsémané. Gethsémané, c'est le lieu où un chrétien ne doit plus dormir. Gethsémané, c'est le lieu, toi enfant de Dieu, on ne doit plus t'exhorter pour prier.
s'est réveillé dans la marche chrétienne. Parce qu'ils ont peur de la mort. Regarde, même en janvier, en février, en mars, en juin, en juillet, il y a des gens qui meurent. Mais toi, tu es chrétien, c'est quand l'année commence à finir qu'on te voit régulièrement au culte. C'est pas bon. Un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur doit être toujours dans la présence de Dieu. Il doit toujours être demeuré dans la présence de Dieu. Regarde, le plus souvent, c'est parce qu'on quitte la présence de Dieu que l'Éternel, comme ça, active les problèmes de nos vies. Pour pouvoir te rapprocher de lui. Mais ne permets même plus à l'Éternel d'activer les problèmes de ta vie. Mais sois toujours à ses pieds. Sois toujours à ses pieds. Alléluia. J'ai demandé, bien aimé, c'est un temps où tu remportes le trophée. C'est un temps de persécution où tu clames et fais à ta terre et ton Dieu t'exauce. Alléluia. Père de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin d'année. Il y a quelques jours, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, quand nous faisons notre bilan, avant même que l'année ne commence, on a entendu de belles paroles, de bonnes promesses. Tu seras prospère, santé, longévité. Je te vois même rouler ta voiture. Mais l'année en train de finir, tu ne vois rien. Mais je veux dire à quelqu'un, est-ce que Dieu a-t-il menti? Dieu ne ment pas. Il y a un verset qui dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Mais on attend la prophétie comment? On attend la prophétie en étant agréable à Dieu. On attend la prophétie en étant en rentrant dans l'intimité de Dieu. Tu n'attends pas la prophétie dans les maquis. Tu n'attends pas la prophétie en allant chercher les copines pour être ta femme. Alléluia. On n'entend pas la prophétie en étant dans la culpa. Mais on entend la prophétie en travaillant tout sur sa vie. Alléluia. L'Éternel dit, soyez prêts. Parce qu'il viendra comme un voleur. Donc quand tu es enfant de Dieu, pour attendre la prophétie là, marche dans la volonté de Dieu. Quand tu vois la mort, tes gens sont morts. Pas parce que toi tu es mieux qu'eux. Parce que Dieu nous fait grâce. Et cette grâce-là, nous ne devons pas la bafouer. Cette grâce-là, nous ne devons pas jouer avec. Parce que la Bible dit la grâce est trompeuse. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui avait préparé son message. Le lendemain, il est venu dans son message. Mais il n'a pas pu parce qu'il ne s'est pas réveillé. Peut-être la mort souprend. Soyons toujours avec mon Dieu pour ne pas être surpris. N'ayons pas peur de la mort. Tu as peur parce que ta vie ne plaît pas à Dieu. Tu as peur parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu n'a plus peur. Pour marcher selon la volonté de Dieu, raison pour laquelle il pourrait dire la mort m'est inquiet. Mais aujourd'hui, de nos jours, qui peut lever la main dans cette assemblée pour dire que la mort est inquiet pour moi? Qui peut le faire? Si tu peux le faire, lève la main. Alléluia. On est chrétiens, on peut le mourir. Tout le monde dit il y a eu 120 ans, il y a eu 90 ans. Quand je te dis à quelqu'un, Jésus avait été perdu, Jésus avait le prédat, il attend 97 ans d'abord. La mort sort partout, à n'importe quel moment. Corrigeons notre vie. Corrigeons notre vie. Traitons durement notre corps. Marchons dans la sainteté. Résistons face à la tentation du diable.
sur Jésus que prêche Paul. Au nom de Jésus que prêche Paul. Alléluia. Au nom de Jésus que Paul prêche. Mais il n'avait pas compris. Tu peux crier, tu peux manifester l'onction. Si tu n'as pas compris, les démons vont te frapper. Alléluia. Travaillons à notre salut. Notre bénédiction le plus souvent tard. Parce que nous quittons facilement la volonté de Dieu. Notre bénédiction tard. Parce que nous avons peur de la volonté de Dieu. Cette volonté ne viendra pas négocier avec nous. Parce que cette volonté, Jésus n'a pas négocié avec nous. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Jésus savait les difficultés qu'il allait traverser. Mais il a dit une parole. Et cette parole va résonner dans la vie de tout un enfant de Dieu. Père, non pas ma volonté, mais que toi ta volonté se fasse. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé, qui est prêt à relâcher, qui est prêt à abandonner. Ne relâche pas. Ne te décourage pas. J'aime à le dire parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait cette révélation. Ton problème se trouve entre la terre et les cieux. Tu as créé la terre. Tu as créé les cieux. Maintenant, toi, tu es entre la terre et tu es entre les cieux. Et puis, je ne sais pas, tu es inquiet. Et puis, tu penses que Dieu ne peut pas régler ton problème. Il y a des gens qui ont le cancer qui vont se suicider. Parce qu'ils se disent, c'est fini pour eux. Il y a des gens qui ont des soucis non rénaux. Ils commencent à prendre des médicaments qu'ils ne devaient pas prendre. Parce qu'ils veulent se tuer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est fini pour eux. Mais peu de Dieu. Toi, tu as la révélation de celui qui peut les guérir. Et tu es assis. Les gens se suicident parce que nous, enfants de Dieu, on ne joue pas notre rôle. Les gens découvrent la vie. Parce que nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Parce que nous, notre sel n'a pas de saveur. Quand ton sel a une saveur bien aimée, on dénue son ton repas. On lave déjà jusqu'à cette année de rue, une assez blanche. Alléluia. L'Éternel veut que nous soyons des vrais chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui ressemble à Jésus. Le chrétien, c'est celui, avant de poser un pas, il réfléchit. Il dit, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire à ma place? Le chrétien, c'est celui-là, même avant de prendre des décisions, ne regarde plus sa volonté, mais cherche premièrement la volonté de Dieu pour pouvoir se cacher. Je vais te dire ce matin, est-ce que tu cherches la volonté de Dieu pour pouvoir te cacher? C'est le pire part de la vie chrétienne. Si tu as compté ce niveau, bien aimé, ta vie chrétienne sera plaisante. Alléluia. On peut s'entourer dessus. Mais la vie de Jésus n'était pas une vie de labyrinthe. Jésus avait une vision et il a accompli sa vision. Quand j'étais jeune, je disais et je clamais au fond que c'était de l'injustice qu'on faisait à certains adversaires. Mais je n'étais pas dans le lieu, c'est pourquoi je n'ai pas compris. Mais c'est quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à avoir mon regard sur ce soir, mais j'ai compris que ce soir, ce n'est pas de la tricherie. C'est de la normalité. C'est-à-dire, quand on tourne comme ça, il y a un rond, il y a un cercle, il y a un qui est ici, il y a un qui est là. Donc quand on a la vue, quand on voit, on a comme l'impression que celui qui est devant, il sera prévenu rapidement par rapport à celui qui est derrière. Or, j'ai compris que celui qui est devant, celui qui est derrière, chacun a son couloir. On sent que le couloir
Le thème que je vais partager, peuple de Dieu, c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Le Jésus dont on parle, le Jésus dont on prêche, il est encore puissant pour pouvoir changer ta situation. Le Jésus dont on parle, il est encore puissant pour te communiquer sa résurrection. Le Jésus dont on parle, il est encore puissant pour faire sécher la maladie dans ton corps. Le Jésus dont je parle, il est encore puissant pour te donner la résurrection. Le Jésus dont je te parle, il est encore puissant pour pouvoir s'arrêter, dire stop à tes ennemis. Le Jésus dont je te parle, il est encore puissant pour te donner de l'argent. Il est encore puissant pour changer ta situation. Il est encore puissant pour agir dans ta vie. Je compte pour dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus qui est pour la prêcher, c'est lui que tu as tort. Le Jésus qui est parti à prêcher, c'est lui que tu as tort. Le Jésus qui pouvait arrêter le cancer des sangs des états, c'est lui que tu as tort. Tu ne joues pas contre ton rôle, c'est pourquoi tu le voyais. Ces personnes que j'ai citées au départ ont joué un rôle capital dans leur vie. Ils n'ont pas attendu la délivrance, mais ils sont partis vers la délivrance, parce qu'ils voulaient la délivrance. Alléluia. Ils voulaient la délivrance. Bien, quand tu veux la délivrance, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Quelqu'un qui veut la délivrance est inarrêtable. La femme qui perdait le sang, elle dit assez, c'est assez. Je veux la délivrance. Je sais que quand Jésus marche, il traite une foule. La Bible dit, cette femme a perdu le sang. Quand on perd le sang, on perd la force. Quand on perd le sang, on perd la vie. Quand on perd le sang, on perd ses forces. Mais elle a dit, le jour qu'il passe ici, un coup chaos. Un coup chaos. La Bible dit quand Jésus passait, elle s'est faufilée parmi la foule. Ce n'était pas une petite foule. La foule que vous voyez dans les Chikinara, ce n'est rien devant la foule de Jésus. Parce que la Bible dit, avec 5 et 3 poissons, il a nourri combien? Il a nourri combien? Hein? Et ce qui va scandaliser, vous savez ce que la Bible dit? Le peuple d'Israël ne compte pas les femmes et les enfants. Alléluia! Le peuple d'Israël compte les hommes. Donc les 5000 là, c'était les hommes. Mais où sont les femmes? Où sont les enfants? Alléluia! Donc j'ai dit ma déduction pour dire, quand Jésus marche, c'est pratiquement cette foule-là qui l'accompagne. Parce que cette foule-là voyait des miracles. Et cette foule-là s'attachait à sa vie. Mais cette femme a brisé le protocole. Elle a brisé le protocole. Et elle a touché le poids de Jésus. Je lui dis, quelle force qui m'a touché. La force est sortie de moi. Et cette force n'est pas l'équipe pas. Cette force est rentrée dans la vie de cette âme. Alléluia. Cette force est rentrée dans la dame. Dès que cette force est rentrée là, dis avec moi guérison automatique. C'est pas guérison bizarre, bizarre. C'est guérison que ça te prend, c'est fini, c'est fini. Alléluia. La maladie qui a tué Lazare, Jésus l'a ressuscité là. Ce n'est pas la même maladie là qui l'a tué parce que Lazare a vieilli. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est encore possible. C'est encore possible pour toi. La seule chose dont tu as besoin, démarque-toi. 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 Tu verras la puissance de Dieu. Les chutes d'avoir compris ça. Même les lucas ont compris ça. Les ustensiles de Jésus, on ne joue pas avec ça. C'était à part.
ils ont pris ça pour faire fester. La même nuit, ils ont pris pour faire la. Tu as donné la révélation à Daniel pour dire ceux qui ont fait ça, ils vont mourir. Parce que quelqu'un se met à part bien aimé, il est sacré. Alléluia. Tout est possible dans ta vie si tu te mets à part. Tout sera possible dans ta vie. Si tu mets une chose au premier plan. Avant de te mettre ton travail au premier plan. Mets Jésus devant ton travail. Alléluia. Regarde, le travail que tu as pu faire malheur, c'est lui qui t'a donné. Il peut passer à une fraction de seconde. Il passe à être tranquille, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Moi, j'ai connu des gens qui étaient des grands. Ils sont devenus des petits. J'ai aussi connu des petits qui sont devenus des grands. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je vais te donner le témoignage d'un de mes amis. Monsieur qui prie moi, vous le connaissez. Il est aussi le frère d'Aloya. Aloya avec les enfants. On partait à l'école. Lui, il ne partait pas à l'école. Nous, on ne savait pas pourquoi. Quand le soir vient, on paie cigarette, nous tous on fume. Parce qu'il sait qu'on a l'argent, il est toujours avec nous, c'est à cause de la cigarette. Un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Dieu. Mais une parole est sortie de ma bouche. Je lui ai dit, mais parfait. Pourquoi tu ne vas plus à l'école? Pourquoi tu as arrêté vite l'école? Il dit vraiment, je suis entré dans un groupe. Vraiment, je partais plus à l'école. Mais tu t'es arrêté en quelle classe? Il dit, c'est arrêté en troisième. Et l'Éternel va mettre une parole dans ma bouche. Il a dit, mais tu t'es arrêté en troisième dans le coup du soir. Tu peux encore aller au-delà. On riait, mais cette parole était une parole efficace. Il a saisi cette parole. Il a commencé à lui déposer ce dossier. Il a passé DPC. Il a eu. Il a passé seconde, première, terminale. Il a eu son bac. Alléluia. Il a passé le concours d'instituteur. Il a eu le concours d'instituteur. Il dit non, je ne m'arrête pas là. Dans le concours, le concours était. Il a passé conseiller d'éducation. Il a eu le concours. Ouais. Aujourd'hui, je te parle. Voilà qui prédit là. Il est conseiller d'éducation. Ouais. Tout est possible à celui qui a la volonté. Amen. Aujourd'hui, il a eu son concours. Avant, il nous attendait pour manger. Mais maintenant, il mange seul sans nous attendre. Avant, ses pensées étaient dans nos poches. Mais aujourd'hui, ses pensées ne sont plus dans nos poches. Mais ses pensées sont dans lui, ses poches. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Notre maison où on était. Parce que ceux qui connaissent ma maman, c'est une femme en fait. Donc on est déjà pratiquement des amis. Parce qu'elle tournait avec nous souvent. Il avait sa famille, mais il tournait avec nous. On partait tout ensemble. On partait manger ensemble. On faisait tout ensemble. Mais on n'avait pas la même destinée. Alléluia. Que la bénédiction de ton frère ne t'influence pas. Mais que la bénédiction de ton frère te motive. À rentrer dans la volonté de Dieu pour pouvoir changer ta destinée. Amen. Regarde, tant que tu dors, tu te réveilles. Moi, voilà ma femme, quand je dors, je me réveille, je suis content. Je suis heureux. Pourquoi? Parce que il y a de l'espoir. C'est l'espoir qui fait tout de nous. Amen. Cette femme qui perdait le sang, comment elle a pu résister? Elle a gardé une seule parole dans son cœur, dans son âme. C'est cette parole-là, elle méditait jour et nuit. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, si je pouvais toucher le pan de sa robe, c'était sa prière. Elle n'avait pas compris. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, rabâche carababa. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, il est rébauche à carababa. Si je pouvais toucher le pan de sa robe,
il ne riba pas quand il débauche. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, il va qu'on se corrobocher. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, bien aimé, sa prière était exaucée. Jésus est passé dans ce couloir et certainement, elle a tout poussié, elle a touché le pan. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, dis à ta soeur à côté de toi, c'est encore possible. Il y a un match de football. Moi, j'aime le match de football. Une championne de ligue, parce que moi-même, je joue au football. Voilà qui peut être là. J'étais un bon défenseur. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, il y a des gens qui me posent la question, mais pourquoi tu n'es pas devenu footballeur? J'ai dit, ma destinée, c'est Jésus qui l'a juré. C'était pour prêcher que je ne suis pas devenu footballeur. Mais il peut faire ma vie plus que footballeur. Je ne regrette pas ça. Je ne regrette pas ça. Moi, je ne regrette pas ça. C'est vrai. La mayonnaise, c'est pas vrai, ça n'a pas pris. C'est en train de prendre. Mais quand c'est vrai, je mettrai dans mon épée, je vais manger. Quand je vais manger, les gens vont apprécier. Quand je vais manger, les gens vont lui dire, il est venu de loin. Quand je vais manger, les gens qui me connaissent, ils vont l'apprécier. Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont l'apprécier. Ça, c'est le problème. Moi, je sais qu'avec Jésus, j'attends ça. Parce que Jésus est celui qui va prospérer. Parce que Jésus est celui qui gère la situation. Parce que Jésus est celui qui donne la vie là où il y a la mort. Alléluia. Là où il y a la mort, Jésus te donnera la vie. C'est pourquoi, dis à ton frère à côté de toi, c'est encore possible. Le match de football, pour ceux qui regardaient mon mot peut-être, pour ceux qui ont la notion, c'était un match, une finale des Champions League. Milan-Liverpool. À la mi-temps, Milan-Liverpool menait 4-0. Le président Berlusconi, le président de Milan, est descendu dans le vestiaire à la mi-temps. Il dit à tous les joueurs, je donne une maudite. Ils ont commencé à chambrer le champagne dans le vestiaire. Le petit changement de position. Dis ça à quelqu'un. Changement de position. Changement de données. Pour ceux qui font informatique. Changement de données. Changement de données. Quand ils sont revenus, dis à ton frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Les joueurs de Liverpool ont pris un deuxième souffle. Ils ont remonté les quatre poules. En une fraction de seconde, et ils ont remporté le titre. Ils ont été champions de ligue. Ils ont été champions. Parce que tout simplement, ils ont fait sortir ce qui était caché en eux. Ils ont eu la rage. Ils ont manifesté cette rage. Il y a un joueur, on appelle Wiseau. Il y a 4-0 à la mi-temps. Il passait près des vestiaires de Milanais. Ils étaient en train de chambrer le champagne. Bien aimé, tes ennemis sont en train de chambrer le champagne quelque part. Parce qu'ils se disent que l'année est bien finie. On a eu besoin de lui. Regarde, je te dis, maintenant, le Dieu qui est tout à tout, que le Dieu qui va changer ta destinée, que le Dieu qui va changer ta situation, que le Dieu qui tira la chambre, n'est pas mort. Fini. Mais Bartimée n'a pas la parole de Jésus. Il dit le jour où passe ici, je le touche. La Bible dit, Bartimée était assis au bord du chemin. Jésus passait. Pendant que tout le monde l'avait chassé, on lui avait donné un manteau de pauvreté. Un poissonnier à la fin de la guillemette. À cause de son odeur de mendicité. Quand il passait, il sentait la pauvreté. La Bible dit, Jésus passait, il y avait la même fou. Et c'est cette même fou-là, Bartimée a percé, il a crié, fils de David. Le cri de Bartimée était différent des cris des autres. Les autres criaient Jésus. Bartimée est rentré dans la généalogie de Jésus.
il dit fils de David. Les gars, le cœur de Jésus-Christ partait pour ta vie. Le cœur de Jésus-Christ était sur ta vie. Il dit, ah, qui peut me donner ce nom ici? Qui connaît ce nom? Qui connaît ce nom? Qui connaît ce nom? Qui connaît ce nom? Qui peut dire ce nom? Il est où il est? Où il est? Où il est? Mais avant, les gens ne le fait taire. Mais il s'est battu. Il a forcé. Bien aimé, que personne ne t'empêche de rentrer dans ta destinée. Alléluia. C'est ton corps aussi. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu Jésus. Amen. Comme c'est Dieu qui va aller. On va prier. Amen. On va prier. Tu vas te délivrer. Mais ça c'est toi accompli le message. Amen. Tu vas te lever pour prier pour ce message. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. 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 De me faire comprendre ta volonté pour ma vie. Cette volonté ne viendra pas. Ne viendra pas. Me faire du mal. Cette volonté ne viendra pas. Me tuer. Mais cette volonté viendra pour ma vie. Cette volonté vient. Pour me rendre meilleur. Acclame le Seigneur. Je t'en donne délibéré ma destinée. Je t'en donne délibéré.
seul. Alléluia. Pendant qu'on priait, je voyais comme un froid sur le visage de cette fille, cette soeur. Et le rôle de cette voile, c'était que tout simplement elle ne plaise pas à ceux qui pourraient lui faire du bien. Sinon, elle a la grâce de sa vie. Elle est partout. Elle a apprécié. Elle a approuvé. Même si elle cherche du travail qu'elle a détossé. Si elle a déposé, c'est pour elle qu'on va prendre. L'ennemi, c'est ça. Il a mis un foie. Le foie a pisé. Chacun a gagné un canard à marcher. Libre, chacun a gagné un canard. Yabaro Koshibra Kasakana Baba. Il ne rebocha. Rabaché. Loko Ibako Roso Kibra Kasa. Il ne rebocha Kanababa. Tu vas prier. Bien-aimé de la vie, il y a des portes. La Bible dit, cette femme, à la porte, alléluia, on partait enterrer son enfant. Comment une porte? Si on voit une porte, on doit trouver la vie. Mais pourquoi la porte? On trouve la mort. Je me rappelle une année, on est allé dans le village de Nogui Michel, qui est bien. On est allé à l'hôtel de Pasteur Travis. Dans son village, quand tu veux rentrer, on trouve le cimetière d'amour. C'est-à-dire c'est le cimetière qui te dit bonne arrivée. Dans un village, le cimetière se trouve dans le parfum, dans le champ. À l'entrée des villages, on voit des églises. Parce qu'ils ont compris la révélation que c'est le supérieur qui domine l'inférieur. C'est la vie qui doit communiquer à cette région. C'est la vie qui doit communiquer à ce village. Mais quand on arrive chez Nandou Michel, on trouve les tombeaux. C'est un cimetière. C'est le cimetière qui nous dit qu'on arrive et puis on rentre. Bien aimé, spirituellement, c'est une porte de mort. Alléluia. C'est pourquoi quand on est rentré dans son village, excusez-moi, je ne délivre pas son village. Mais il y a d'autres villages quand tu rentres là, il y a des belles villas. Il y a des villas, quand tu vois ça, tu penses que tu es en ville. Mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas la révélation de ça. Ces portes-là parlent contre leur destinée. Ces portes-là parlent contre leur vie. Tu vas dire ce matin.
vais vous donner un chant de victoire. Regarde, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Il y a une équipe qui menait et chantait. Mais à la fin, là, c'est pas lui qui a chanté. Alléluia. L'ennemi a chanté au début. Mais à la fin, c'est pas lui qui va chanter. Je te vois chanter pour 2022. Je te vois chanter pour 2022. Je te vois chanter. Regarde. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.